mon Dieu, je vais pouvoir enfin sortir. Oh, tabac. Salut à tous, c'est moi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Oui, j'ai un oreille derrière moi, un sac de couchage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je fais Rest in 24 hours in a garde-robe. Je le dis mal. Oui, aujourd'hui je vais faire le défi de rester 24 heures dans un garde-robe parce que je viens d'atteindre les 1000 abonnés, génial, oui! Donc, en arrière de moi, il y a le sac de couchage que je vais m'en servir pour dormir. Mon oreiller. Là, ça, la chaise au cou que j'ai envie de masser, ben, je suis déjà assis, mais c'est chiant de rester tout le temps dans cette position. Mon éclairage, je vais rien d'éclairer. Un petit tapis pour pas que je finisse les objets, puisque vous savez très bien que je suis perfectionniste. Donc, là, vous voyez pas, mais il y a plein de fils pour brancher tout ça. Donc, in the moment, il est 10h04, donc il est pas encore minuit. On a les DS. The poubelle, voilà, parce que ça me tente pas d'installer ça, donc on garde là, parce que sinon, ça. Il y aura pas de place. Et. Bon ventilateur, oui je sais, c'est un peu le bordel dans ma chambre vu que j'ai tout enlevé dans mon garde-robe. Bref, voilà, donc mon ventilateur parce que je me suis habituée à dormir avec du bruit. Et voilà, je suis obligée de dormir avec mon ventilateur, c'est génial, ouais. Bref, là je vais vous montrer où est ma nourriture, voilà. Donc, un jus, des trucs comme ça, un placement de produits. Oh, le minou il est là. Hello, tu sais pas me tourner fort là. Tu viens avec moi? Non, reviens ici, reviens ici, non, reviens ici. Bref, on se retrouve quand il est minuit. Génial. Donc, je vais bientôt être obligée d'aller dans ce dressing. J'ai un petit peu soif. Oh, tabac. Vous savez pas ce qui vient de se passer. Oh non. Bref, c'est parti. Non. Oh. Ok, maintenant, il est minuit 7. Non, j'ai juste eu le temps de me diriger vers le garde-robe. Je parle pas trop fort parce que mes parents sont en train de dormir. Hein. Donc, je vais déplacer tout ce matériel de survie hein, qui permet de me divertir. Donc, vous avez remarqué, je suis en pyjama parce que je me couche. Donc, je vais tout mettre ça à l'extérieur pour que je puisse avoir assez de place pour dormir. Voilà. C'est quand même voilà, pas beaucoup d'espace. Donc, voilà. Je promets de ne pas tricher. Voilà, je le dis. Je veux pas faire de fake. Voilà. Ok. J'ai tout ça, j'ai ma petite poubelle, j'ai mon eau qui vient de tout, qui a tout renversé, voilà, que j'ai eu le temps d'essuyer avant qu'il soit minuit. Voilà, on se retrouve après. Il est minuit 13 en ce moment. Et là, j'ai tout déblayé. Putain, j'ai tout déblayé, c'est quoi ça? J'ai tout enlevé pour que je puisse me coucher. Voilà, j'ai assez d'espace pour dormir. Oh fuck, la lumière. On va dire que j'ai rien fait. Tout est vraiment chanceux. Oh, pas d'espace site. Voilà, là, je vais installer mon sac de couchage et tout ça. Et après, je vous retrouve. Ok, je viens d'installer le sac de couchage. Je pense que je vais être bien, en fait. Voilà, donc là, je vais dormir. Puis, s'il se passe de quoi, bah, je le retrouve. Et aussi, je le reprends encore. Promis, juré, craché. Je ne veux pas tricher. Ouais. Ok, là, je suis installée pour dormir. Voilà, j'ai ma petite malaise pour allumer la lumière. Donc, voilà, je suis prêt. Allez, me coucher. Donc la première... Oh putain de merde, je voulais pas qu'il s'éteigne. Putain de merde. Là, il est minuit 21. Et voilà. Oh my god, je sens que ça va être dur. Salut. Je sais que vous me voyez pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, je viens de terminer de regarder les rushs vidéo. Puis devinez, il est quelle heure. Oh merde. Je suis dans la merde. Putain. Oh my god. Je suis fatiguée, mais à un point, j'ai hâte de dormir. Parce que oui, à chaque fois que je finis un tournage, il faut que je check les rushs vidéo. Oh my god, déjà qu'il y a une heure qu'il y a. Donc voilà. Je vous fais savoir s'il y a du nouveau. Allez, ciao. Petite news, je n'arrive pas à dormir, alors je me suis pris des écouteurs, puis je vais regarder des vidéos. Voilà, tout simplement. Salut, bonjour. Donc, ça fait déjà 2 heures que je suis dans le garde-robe. Et puis, je me sens bien. Voilà, c'est pas si pire. C'est pas si pire que je le pensais. Là, je vais continuer à regarder un peu de vidéos. Et après, je vais dormir. Je devrais parler moins fort parce que mes parents dorment. Je ferme s'il y a du nouveau. Quelque chose comme ça qui se passe. Allez, ciao. Ok, là, il est 2h18 du matin. Je vais dormir. Voilà.
Comment faire? Allez, bonne nuit. Pourquoi j'ai tout essayé et j'arrive pas à dormir? C'est génial. Peut-être que si je recommence un peu, peut-être que si je réessaye, je vais sûrement réussir à dormir, mais... Oh, bah, génial, c'est super! Je vais essayer de dormir encore une fois, je vais regarder cette vidéo. Après. Allez, ciao! À tantôt! Bon, ok, là, j'ai un peu le faim, enfin, je vais prendre une petite collation. Pas trop de choix ici, mais je vais prendre ça parce que c'est bon. C'est pas très un bon déjeuner, mais c'est juste qu'on est 4h du matin, tu vois. Bon, ok, là, ça fait 5h que je suis dans mon garde-robe. Je vais dormir un petit peu. Ben, je vais essayer, mais je pense que je vais laisser. Parce que là, j'ai mangé. Ça reste d'aller mieux pour dormir. Voilà. Allez, ciao. Donc, en ce moment, il est à peu près 8h. On a un petit visiteur. Mon Dieu, il me reste 2h30 à tenir. Waouh! Oh mon Dieu! Prendre de quoi? Parce que j'ai un peu faim, tu vois. Ah. Putain que j'ai hâte de sortir de ce fucking garde-robe. Oh mon Dieu, je vais pouvoir enfin sortir. Oh, mais non.